Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait, donc je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, je vais déménager et c'est prévu maintenant pour la semaine prochaine. Donc j'ai été un petit peu débordée entre les cartons et tout ça, j'ai pas trop eu le temps de vous faire de vidéos. Et surtout, toute ma scrap room est déjà en carton depuis un petit moment. Ça fait un peu plus d'un mois maintenant. Et donc, je ne peux pas créer. Donc, je ne vous fais pas de vidéo puisque je ne peux rien faire. Et voilà, donc je vais déménager la semaine prochaine. Et donc, avec le confinement, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait enfin pouvoir déménager. On attendait la fin du confinement justement, donc c'est prévu pour la semaine prochaine. Donc à partir de début juin environ, je vais pouvoir déballer mes cartons et tout ça. Donc à partir de mi-juin, je pense pouvoir reprendre les vidéos normalement. Donc pour celles qui s'intéressaient à mon concours, il est toujours actif, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc mon concours pour mes 100 abonnés, même si maintenant on l'a dépassé, mais à cause du confinement, je l'ai prolongé, il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais que certaines personnes n'avaient pas encore envoyé leur participation par peur de petits soucis avec la poste et tout ça. Donc il n'y a absolument aucun souci, j'arrêterai mon concours qu'à partir de début juin, je pense, puisqu'en fait, voilà, je vais déménager et donc les lots pour le concours sont déjà tout emballés dans des cartons. Donc je ne pourrai pas les envoyer tout de suite. Donc pour celles qui veulent encore participer, il n'y a aucun souci. Je vais faire suivre mon courrier de toute façon, donc même si vous me l'envoyez à mon adresse actuelle, c'est pas un problème. Et donc le concours est bien toujours actif, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas, même si je ne peux pas faire de vidéo en ce moment. Enfin si, je pourrais en faire, mais voilà, je n'ai rien à vous montrer puisque je ne peux rien créer. Donc voilà pour mon concours, il n'y a aucun souci. Le tirage au sort devrait se faire la première semaine de juin, je pense, pour ensuite pouvoir envoyer les lots aux personnes gagnantes. Donc je vous le rappelle, il y a trois lots à gagner. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo concernant le concours. Et donc dans ma dernière vidéo, je vous avais présenté une toile Diamond Painting que j'avais reçue d'AliExpress, donc pour 1 centime d'euro. Et donc je vous avais présenté comment tenter de gagner des articles à 1 centime sur AliExpress. Et je vous avais aussi dit qu'il n'y avait pas que du diamond painting ou de l'électronique et tout ça, qu'il y avait aussi parfois un petit peu de scrap. Donc j'ai reçu un deuxième article pour 1 centime, donc je vous avais dit. Donc ce sont des petits papillons shaker. Donc j'en ai reçu 60 pour 1 centime. Donc je vais éviter de manipuler le sachet pour éviter de faire trop de bruit. J'en ai sorti quelques-uns pour vous les montrer. Donc voilà comment ils se présentent. Donc ils ne sont pas très gros, mais voilà, pour décorer une carte ou quoi, je trouve ça très sympa. Donc c'est bien des shakers, hein, vous avez des petits. Des petites paillettes à l'intérieur en forme d'étoile. Donc dans le sachet, vous avez un mélange de couleurs, hein, il y a également du jaune. Donc vous allez certainement le voir un peu mieux sur celui-ci, mais voilà. Ça fait vraiment shaker. Si vous secouez, ça bouge à l'intérieur. Voilà. Et donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais dans le coin ici, vous avez un petit trou. Et donc en fait, vous pouvez y passer un anneau pour en faire un collier, des boucles d'oreilles, ce que vous voulez, un bijou d'album ou autre. Et donc voilà, dans le sachet, il y avait plusieurs couleurs. Donc là, c'est du multicolore. Et donc voilà, si vous les secouez,
ça bouge bien. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ça, je voulais vous les montrer, puisque pour un centime, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Donc comme je vous disais dans l'autre vidéo, ce sont des tirages au sort. Donc vous n'êtes absolument pas certain d'avoir vos articles pour un centime, c'est sûr. Mais par contre, je trouve que même si vous gagnez un ou deux articles tous les mois ou autres, ça peut être quand même intéressant. Puisque voilà, là j'en ai reçu 60, je pense que j'ai largement de quoi faire des petites créations avec ça, vu la quantité, même si je ne gagne pas plus d'un ou deux articles par mois, par exemple. Donc voilà, je voulais vous dire, enfin vous présenter voilà, ce que j'avais reçu également voilà, d'AliExpress, puisque j'étais un peu sceptique au départ, avant de recevoir mon Diamond Painting, à savoir vraiment si ça marchait et si c'était pas des tirages au sort un peu truqués ou autres. Mais franchement non, j'en ai reçu deux en... Enfin j'ai gagné deux tirages au sort en un mois environ. Après voilà, comme je vous disais dans ma vidéo, je le fais pas tous les jours non plus, je devrais essayer un peu plus. Mais voilà, c'est vrai que je n'y pense pas forcément tous les jours à participer. Mais vous avez deux chances par jour de participer pour des articles. Donc après voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous montre exactement comment faire pour participer à ces tirages au sort. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça et surtout vous parler de mon concours. Il est toujours actif, il n'y a aucun problème là-dessus, donc n'hésitez pas si vous souhaitez encore participer. Et donc je ferai le tirage au sort sûrement la première semaine de juin. Et après, je pourrai envoyer les trois lots aux gagnantes. Donc voilà, des petites informations sur ma chaîne, puisque c'est vrai qu'en ce moment, je ne peux pas faire d'autres vidéos, ni de création d'ailleurs, donc ça manque un petit peu, mais je me rattraperai quand j'aurai tout déballé dans ma nouvelle scraproom. Donc je vous dis à bientôt et bonne journée.